children and for future generations. Well, thank you so much, merci beaucoup, Madame Kyenge, pour ce témoignage tout à fait poignant et choquant que vous venez de nous donner. Nous apprenons avec un certain choc et une certaine indignation que, au jour d'aujourd'hui, en 2014, un membre du Parlement européen doit être accompagné d'un dispositif de sécurité. Et en même temps, vous êtes une ambassadrice véritable de la voix des migrants au sein du Parlement européen et de façon plus vaste. Nous allons maintenant passer à d'autres parcours et nous quittons des migrantes qui ont fait leur chemin et qui sont maintenant des porte-paroles particulièrement éminentes à des enfants de migrants. Nous allons commencer par Madame Ulrike. Ou plutôt Madame Yurika Tsuda Moribe, psychologue clinique au Japon, qui nous montre l'expérience d'enfant de la diaspora qui grandit dans un pays et qui petit à petit reconnaît